Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai fini les pages. Je voulais juste vous dire avant, j'ai ajouté dans mon... mais ça, c'est pas obligatoire, juste pour que vous sachiez quel matériel j'ai utilisé. Alors, j'ai ajouté des washi. Alors, j'ai choisi quelques washi que j'avais des bonnes couleurs. Puis celui-ci, je vais vous le montrer, ceux qui, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore. J'ai acheté dernièrement cette jolie boîte. Regardez si c'est pas joli, ça. Regardez l'assortiment. Il y a 100... Il y a 100 washi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 washi. Puis, comme vous voyez, c'est pas trop pire comme quantité. On en a un petit peu quand même. Alors, ça c'est bien, bien, bien précieux. Je crois que quand je vais commencer à en avoir moins, je vais en racheter d'autres. Le seul problème, c'est que c'est fait en Chine. Pas le choix. Alors, je voulais vous montrer ça. Alors, je mets ça de côté, je les garde prêts pour... regardez ici, j'en ai utilisé ici. Ça, c'en est un autre que j'avais. Est-ce que j'en avais d'autres aussi, des washi? Ça, c'est ma petite boîte de washi qui m'ont tous été, à peu près tous été offerts. Un joyeux courrier. Alors, un que j'ai choisi, est-ce que je l'ai remis ici? Et lui, il ferait bien aussi. Est-ce qu'il est? Celui-ci. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Non, en tout cas, ça m'avait été offert en joyeux courrier, celui-là. Je crois que je l'ai resserré. Regardez les petits, là, c'était ça que j'avais. Je crois que j'en avais 20 couleurs. Moi, j'achetais jamais des washi avant. Je me disais toujours, oh, non, je vais utiliser le washi. Puis là, finalement, regardez, toutes ces couleurs-là, plus celle-ci. Alors, j'ai tout ça. Hop! Comme ça. C'est joli, hein? J'aime beaucoup, beaucoup, parce que ça aide pour les... Surtout dans le cas des incrustations, quand je vais faire des incrustations, qui sont vraiment fines. Alors, au lieu de couper des petites bandes, bien souvent, c'est pas droit, c'est trop large, pas assez large. Et quand j'ai un washi, c'est parfait. La personne qui m'a offert celui-ci, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Alors, voilà. Alors, ici, on peut faire un journaling, mettre une photo comme on veut. Alors, on ouvre comme ceci, avec la pochette ici. Alors, celui-là, il est... Alors, il ne faut pas oublier que mes pages sont comme ceci. Alors, ça, c'est le vertical. C'est le premier, celui que je vous avais montré. J'en ai fait un autre, mais de l'autre côté de la page. Question qu'on ne se répète pas. Alors, même chose, mais latéral et puis de l'autre côté de la page. Alors, je trouve que c'est une bonne façon de refaire une deuxième fois la même petite interaction, si on peut les appeler ainsi. Alors, même montage de rabat et pochette qui fait que on n'a pas l'impression qu'on a répété. Alors, en plus de l'avoir fait sur l'autre côté, je l'ai fait, je veux dire, de l'autre côté de la page. En plus, je l'ai fait sur le côté ici au lieu de en haut. Alors, ça, c'est mon deuxième. Ici aussi, j'ai utilisé du washi, puis c'est tout. Ici aussi, j'en ai utilisé un. Alors, ça se ferme comme ceci. Voilà. Alors, ces deux pages-là ici vont comme ça, dos à dos, parce qu'on a l'ouverture ici dans le coin pour attacher à la tranche. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai choisi cette image-là parce que, vu que c'est la première page, je voulais vraiment avoir quelque chose de joli, puis je pense que c'est lui le plus joli. C'est lui que je préfère, en tout cas. C'est totalement moi. C'est des chevreuils avec des arbres de ces couleurs-là. Alors voilà, il va nous rester toujours à mater ici, mais plus tard, je vais faire ça à la fin. Alors là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait deux autres pages avec le même rabat. Comme je disais, j'en fais quatre. Alors si je trouve mon coin, alors ici c'est le coin en haut, puis ici c'est le coin en haut. Où est-ce qu'il est, lui? Ici. Alors si on les met comme ceci. Alors ici, j'ai encore le même grand rabat. Puis, en même chose, l'autre côté. Oh, j'ai mis du même côté. Grand rabat. Puis, même chose, l'autre côté. Et là, je l'ai mis ce côté-là. Enfin, différent encore. Alors, voyez vos rabats, vous pouvez les mettre. Il y avait quatre sens, finalement. Mais en bas, je ne pense pas que je les mettrai en bas. J'aime mieux mettre quelque chose qui est plus petit en bas. Alors, vous avez comme trois choix pour les mettre. Alors, j'ai mis les grands rabats ici, mais je vais faire des choses différentes à l'intérieur. Alors, ici, j'en ai une... Ici. Alors, je vais aller, je vais prendre celle-ci, commencer, celle qui est verticale. Bon, alors ici, finalement, je me suis fait une bande transverse. Et puis, alors, une chute, prenez une chute, j'avais un petit morceau comme ça. J'ai fait une marque au chaque côté de ma page et avec une couture chaque côté de 1 cm. Alors, je fais mes lignes de pliure. Alors, j'ai décidé, au lieu de faire une pochette, que je ferais une bande transverse. Passe mes marques. Je plie. Et puis je vais coller sur le côté.
à l'extérieur des coutures. Alors, comme vous voyez, c'est l'extérieur. L'intérieur, ça serait ici. Alors, à l'extérieur, ici, je vais prendre de la cote. Et puis, comme ceci. Puis, on la met à part, moi, je ne la mettrai pas au centre. Je vais la mettre un petit peu plus bas. Alors, juste en bas du centre, finalement. Bien aligner les côtés. On enlève l'excédent de colle. Bien parallèle avec le bas de la page ici. Au pire, on peut toujours mesurer pour ajuster. Il faut se hâter avant que ça colle. 43. 44. 43,5. 43,5. Wow, c'est correct. Je pense pas que je sois à un quart de millimètre près. Et puis, alors j'ai pris un autre, un morceau, une chute. J'utilise toutes mes chutes. Et puis, j'ai coupé mon morceau en deux. Vous voyez, en deux comme ça. Quel que soit votre format, là, moi, je vous fais ça comme vous voulez. Pourvu que ça se contienne à l'intérieur de votre page. Alors là, je vais faire une ligne de plus haut dans le bas. Je vais faire deux petits rabats. Une petite cascade, comme. Alors, je fais une ici. J'en fais une autre au même endroit. Sauf que la deuxième, je vais refaire du côté couture une autre à 2 mm pour que quand celle-ci va être pliée et celle-ci va être pliée par-dessus, qu'elle puisse emballer. Alors, ça prend un petit gousset de 2 mm. Alors, je me fais un autre petit gousset ici. 2 mm. C'est juste ça. Ça vaut vraiment la peine de faire. Ça fait une grosse différence. Je plie les deux. Alors là, j'ai pas besoin de biseauter mes coins parce que je vais coller ça à la base ici. Alors, je vais faire un arrondi comme ceci. Là, il faut décider du fermoir. Alors, je crois que je vais faire un petit rabat avec un aimant. Je ne l'ai pas fait encore. Alors, je vais me prendre une bande comme ceci, aléatoire, environ 3 cm. Je vais me faire deux lignes de pliure. Alors là, une ligne de pliure pour le premier pli et puis une autre à 3 mm pour englober tout ça. J'en ai un à deux. Alors, vu qu'elle va être par-dessus, j'avais besoin de trois. Toujours plus grand. Il faut toujours aller plus grand quand on a un gousset à faire qui est par-dessus. Un qui est déjà un gousset aussi, lui ici. Alors, ces deux-là, vu qu'ils ne sont vraiment pas épais, surtout lui, c'est à 2 mm. Je vais l'accentuer avec mon plioir. Vous voyez, ça fait un beau carré au lieu d'être juste rond. Puis lui aussi, je vais le faire tant qu'à faire. Alors, il faut poser lui avant, finalement. Je crois que je vais le poser sur la... Ah oui, il faut placer celle qui a un gousset plus épais en premier. Alors, on va la poser. Alors, je vais aller pas tout à fait au coin. Alors, celle qui a le gousset 3 mm, 2 mm, va aller ici. Et puis, je dois trouver le centre pour placer mon fermoir dessous. Alors, ici, mon centre, il est exactement là. Je mets de la colle des deux côtés. Alors, lui, j'ai pas pressé encore, là, parce qu'il faut que je trouve... J'aurais pu poser avant, finalement. Le centre. Alors, mon centre, il est exactement ici. Alors, tout juste la couture à l'intérieur. Ça. Ça. Puis lui, par-dessus. Qui ne se rend pas tout à fait au coin. Parce que je voulais pas biseauter mon coin. Je voulais biseauter le coin, puis aller ouvrir nos coins. C'est comme vous voulez. Coin de la couture, ici. Alors, tout ça, ça se contient. Puis, celui-ci. Finalement, mon gousset de 3 mm, ils vont inclure tout ça, finalement. Mais il faut dire que, de toute façon, le gousset, qui n'a pas de gousset ici, lui, il s'inclut déjà dans lui. Donc, on n'ajoute pas. Je ne vais pas me rendre au coin. Je vais aller tout juste ici. Comme ceci. Alors, j'ai mes deux. Vous voyez la cascade ici. Elle englobe celle-ci. C'est pour ça qu'on a fait un gousset. Je vais même l'accentuer, si vous voulez. Ça. Puis, lui, le rabat, il va aller par-dessus tout ça. Vous voyez? Il englobe tout ça. Alors là, ici, idéalement, j'aurais dû arrondir mes coins. Bon, ça devrait être possible. L'accès est difficile quand notre bande est plus petite que notre outil. Je vais poser des aimants. Alors ici, ça ne demande pas beaucoup de puissance. Alors je vais aller avec des 8 mm. Donc j'aurais pu mettre deux de 4 mm. C'est ce que je vais faire. Prendre des plus petits. Je pense pas souvent à mes petits, puis j'en ai beaucoup. Alors, je vais prendre les 4 mm que j'ai ici, comme ceci. Alors, je mets une bande comme ceci. Ici. Puis ça, tout ce que je fais cette page-là, je vais toute la refaire la même chose, mais sur l'autre page, c'est-à-dire en opposé. Je fais toute la même chose. Alors, au lieu de travailler comme ceci, vous travaillez comme ceci.
Mais attention, moi je vous recommande de faire votre flèche sur votre abat. Alors là, vous savez que l'ouverture, elle est ici. Là, on a la flèche qui est ici, là. Alors refaites-la ici et votre tranche. Parce que c'est bon à savoir pour quand on met les rabats dans le bon sens. Alors je vais mettre mes deux aimants ici, un à côté de l'autre. À côté, j'ai dit. Comme ceci. Puis, ils vont aller se rabattre ici. Alors, pour que ce soit bien droit. Je vais aller mettre un morceau de ruban adhésif. Comme ceci. Ici. Pas grave, c'est trop grand. Ça va tout mater, ça. Là, je vais mettre un aimant sur chacun. Ici. Alors, ça, c'est des 1 mm par 4 mm. C'est bon à voir quand on n'a pas beaucoup de tension. Là, j'en mets deux pour être certaine d'en avoir suffisamment. Alors, bien droit avec mon mousset bien perpendiculaire. Puis, je le mets comme ça. Vous voyez, bien, hein? Parfait. Alors là, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je fais un rabat avec des aimants et puis que je risque d'ajouter avec les papiers design, ça risque d'ajouter dans le gousset ici. Alors, je fais toujours attention pour ne pas mater ici ou même attendre à la toute fin là, pour mater ici si vous avez une petite bande. Parce que avec tout ce qu'on va ajouter, peut-être que ça va ajouter que le gousset ici ne sera pas suffisant. Alors, si jamais j'ai ajouté peut-être 1 ou 2 mm maximum, alors là, mes aimants sont encore bien positionnés, ça va être facile à couvrir. J'ai besoin de 5 mm ici, de libre sur le côté, avant que les aimants soient sur le côté, pour qu'on puisse mater avec le papier et bien coller sur le côté. Moins que 5 mm, c'est trop difficile à coller. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais arrondir tous mes coins, comme ceci. Alors là, ici, moi, j'ai l'ouverture ici. Je vais faire ma flèche. Hein? Parfait. Alors, je vais refaire la même chose sur celle-ci. Alors, je vais mettre l'attache ici, mes deux petits rabats et ma bande transverse comme ceci, tout simplement. Donc, voilà. Alors, deux autres tâches de fait. Il nous en reste encore deux fois. Alors, ça veut dire qu'il nous en reste quatre. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye-bye.